las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra o blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit à M. Gaëtan? Que je ne suis pas Isabelle Vélez? Oui, c'est ça. Oh. C'est ce que je lui ai dit. Oh, mon Dieu, maman, mais pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Barbarita, ma chérie, attends, je vais t'expliquer. Non, Jean. C'est à moi de dire la vérité. C'est ma douleur. C'est ma honte, Jean. Mais maman, arrête, tu me rends nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a de si important que vous n'arrivez pas à me dire? N'aie pas peur, maman. Ah, Climaco. Parle, il faut que Barbarita comprenne que nous sommes avec elle. Ma chérie, Tabata n'est pas la fille de Gaëtan. Car la fille de Gaëtan, c'est toi. Dis-moi que c'est pas vrai. Si, ma chérie. Attends, Barbarita. Non, mais alors, ce qui est en train de se passer. Attends, laisse-la parler, Barbarita. Laisse-la t'expliquer, d'accord? Laisse-la parler. Ma chérie. Jean, pardonne-moi, mais Barbarita doit absolument savoir toute la vérité. Ma chérie. Jean. Jean m'avait abandonnée avec Tabata. Il était parti. Et enfin, moi, à ce moment-là, j'ai connu le Portugais. Et je suis tombée amoureuse de lui. Et lorsque j'ai su que j'étais enceinte de toi, je me suis consolée en me disant que tu étais le fruit d'un amour sincère, ma chérie. Et après... Mais après quelque temps, Jean est revenu et... Jean, tu sais bien que ce n'était pas ma faute, tu le sais. Je sais, Trinidad, mais c'est dur. C'est de ma faute, c'est vrai, mais c'est dur, très dur. Et puis, malheureusement, c'est à partir de là qu'a commencé notre calvaire. Nous n'avons eu que des malheurs à cause de ce secret, à cause de ce maudit secret qui nous emprisonne tous. Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi, ma petite fille, pardonne-moi, mon cœur. Non, maman. Non, je n'ai rien à te pardonner, mais ce que nous sommes en train de faire à Monsieur Gaëtan ne peut plus durer. Oui, je sais, ma chérie. C'est pour ça que je suis ici, je suis venue lui dire la vérité. Je la lui avais déjà dit, mais il ne m'a pas cru. Et comment pourrait-il me croire? Je n'ai fait que lui mentir et lui mentir. Je suis la plus grande déception de sa vie. Oh, mon Dieu. Non, ma maman. Si toi, il ne t'a pas cru, moi, il va au moins devoir m'écouter. Barbarita. Barbarita, mon amour. Oh, mon Dieu.
Mon Dieu, Climaco. Et comment va la jeune fille la plus extraordinaire et la plus sexy de cette fête? Hein? Comment va-t-elle? Extraordinaire et sexy. Ah, mais décidément, mon prince, tu parles comme un Vénézuélien maintenant. Qui? Moi? Oui, toi. Ah non, non, c'est vrai, c'est parce que je t'ai pas raconté. En fait, c'est parce que j'ai rencontré ton frère Miguel. Miguel. Oui, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a amené à cette fête. Je l'ai rencontré par hasard parce que son yacht était juste à côté du mien. Et alors, on a fait connaissance, on a sympathisé. Et tu sais ce qui se passe parfois entre amis, on se met à parler de la même façon. Oui, mais le problème, c'est que mon frère Miguel ne dit jamais ce genre de choses. Oui, bon, écoute, Estella, on va pas passer la nuit là-dessus. On pourrait faire un tour dans le jardin, tous les deux. Pour parler. Mais tu ne voulais pas te marier avec moi parce que j'allais donner un rein et que ta religion ne le permet pas. Alors de quoi tu veux me parler? Écoute, ma petite chérie, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Tu sais, j'ai pris une décision. J'ai décidé que j'allais renoncer à ma fortune et à mon trône rien que pour toi. Quoi? Un homme pauvre dans ma vie? Alors ça c'est hors de question, mon ami. Je préfère rester avec mon métis et excuse-moi d'être sincère, mais je ne pourrai jamais vivre avec un pauvre. Oui, je vous alors il reste encore du temps, non? 5 mois, je crois. Oui. Si tout se passe bien, ce sera fin mars. Oui, c'est ça. Elle est là. La bombe n'a pas encore explosé. Ouais, toi. Oui, ça va. Hein? Et alors? Je suis désolée, ma chérie, mais tout ça doit se terminer. Je ne veux plus continuer à mentir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu es folle. Oh, regarde, voilà Wilfried. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Non. Et spécialement à vous, monsieur Gaëtan, et aussi à vous, madame Bernarda, à qui je dois tant. Isabelle. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, Miguel. Je ne suis pas Isabelle Vélez. Hein? Quoi? Je vous ai menti. Je suis Barbarita Blanco Guaramato. Quoi? Oh, pas du tout, ça. Aussi. Ah ah! Le grand bébé des Aristigueta s'est déjà réveillé. Comment tu te sens? Bonjour, Félie. C'est gentil de revenir. Et en plus, je suis revenue avec l'intention de céder à tes caprices. Tiens. Ce sont les bonbons que tu préfères. Mais attention, il faut que tu les manges très rapidement. Et sans qu'on te voie. Merci, Félie. Vraiment. Écoute. Tu peux me rendre un service? Hein? Oui. Est-ce que tu pourrais me trouver une petite bière? Tout ça m'a asséché la gorge. Ah oui, t'es un petit comique, toi. Eh ben non, mais tu es devenu fourré. Allez, Félie, allez, c'est juste une petite bière. Allez, c'est juste pour faire passer la douleur. Pas mal essayé, comme tu dis. Mais je t'ai dit non. Ah, d'accord. Si c'était pour Rodolfo, je suis sûr que tu irais lui en chercher une en courant. Pardonne-moi, Miguel. Pardonne-moi de t'avoir menti pendant tout ce temps. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis fait passer pendant tout ce temps pour Isabelle Vélez parce que cet homme me menaçait de mort. Quoi? Moi? Oui, toi. Moi? Non. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, espèce de menteuse? Ça suffit maintenant. C'est toi le menteur. Tu n'arrêtes pas de la persécuter parce que tu veux la tuer. Oui, c'est ta faute, espèce d'ordure. C'est ta faute si ma petite s'est cachée dans cette maison parce que tu voulais la tuer. Quoi? Oui, et il veut toujours me tuer. Et c'est pour ça qu'il est avec Rodolfo. C'est parce qu'il veut me tuer. Je comprends pas, non. C'est pas possible, enfin.
Comment ça, elle s'appelle Barbarita Blanco Guaramato? Oui, c'est vrai. Elle s'appelle Blanco Guaramato comme moi. Barbarita est ma sœur. Ce n'est pas Isabelle Vélez. Je ne te crois pas. Comment ça, tu n'es pas Isabelle Vélez? Mais enfin, tu es arrivée chez nous avec David et il a été prouvé que David est le fils de Rodolfo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais je ne suis pas Isabelle Vélez. Je viens de te le dire. Mon vrai nom, c'est... Barbarita Blanco Guaramato. Non. C'est encore de tes magouilles, ça. Tu ne t'es pas assez moqué de ta famille. Hein? Vas-y, dis-moi ce que tu cherches. Non, moi, je cherche rien, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle manigance, elle. C'est Rodolfo qui t'oblige à faire ça, pas vrai? Dis-le. Dis-le, Isabelle, dis-le. Non. C'est pas lui. J'ai fait ça parce que je ne peux plus vivre avec ce mensonge. Je ne connaissais pas Rodolfo. Je l'ai rencontré le jour où il est arrivé chez toi. Et puis il a fait comme si j'étais Isabelle, comme s'il me connaissait depuis toujours. Mais alors pourquoi il ne t'a pas dénoncé? Mais bon sang, vous vous êtes même mariés à l'église. Rodolfo, pourquoi est-ce que tu nous as tous trompés en faisant semblant d'être son mari? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde fait la tête? Vas-y, dis-moi. Eh bien, ma chérie, il est arrivé ce que nous soupçonnions. Cette femme nous a tous menti. Elle n'est pas Isabelle Vélez. Quoi? J'ai été prise dans un piège. Et si... si vous voulez savoir... j'avais terriblement peur. C'est pour ça que je me suis cachée sous le nom d'Isabelle Vélez. Et que je me suis accrochée à l'amour de David. Je l'ai fait pour me protéger. Et maintenant... et maintenant, je vous demande pardon. À vous, Monsieur Gaëtan. Pour toute cette confusion autour de votre fille. La vérité, que je suis... Non, 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 un instant. Un instant, parce que tu ne m'as pas encore répondu, Isabelle. Et peu importe comment tu t'appelles, pourquoi mon frère t'a couvert? Qu'est-ce qu'il y a entre vous, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, Rodolfo, tu vas répondre. Tu m'as trompée, Climaco. Je croyais que tu étais l'être le plus pur, le plus honnête. Mais en réalité, tu n'es qu'un menteur de plus. Non, ne le prends pas comme ça. Je sais que je t'ai menti, mais il s'agissait de sauver la vie de ma sœur. Je n'avais pas le choix. Non, je n'arrive pas à y croire. Viviana, je n'avais pas le choix, s'il te plaît. Essaie de comprendre. Je te jure que Barbarita est innocente. C'est quelqu'un de très bien. Et en plus, tu la connais. Tu sais qu'elle est très fragile. Il fallait que je la protège. Je ne connais personne, Climaco. Et puis, tout ce que je sais, c'est que j'ai été trahie par l'unique personne en qui j'avais confiance. Viviana, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Suffit, lâche-moi. Ce sont des mensonges. Et je trouve que c'est dommage de déballer tout ça maintenant, alors qu'on devrait tous faire une grande fête. Mais puisqu'il faut bien dire la vérité, et puisque tu as décidé que ce serait maintenant, je trouve ça très bien. Parce que c'est vrai, cette femme... ce n'est pas Isabelle Vélez. Oh. Non, ce n'est pas Isabelle. Et pourquoi? Parce qu'on a tué Isabelle. Isabelle, elle est morte. Oh mon Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Mon Dieu. Oui, grand-mère, elle a été tuée. Elle a été tuée dans un guet-apens organisé par des Colombiens. Je l'avais envoyée au Venezuela avec David pour fuir tous ces criminels. Mais, oh, quelle horreur! Et toi, Rodolfo? Où est-ce que tu étais passé pendant qu'elle se faisait passer pour Isabelle? Hein? Pourquoi est-ce que t'es pas venu plus tôt? Parce que je n'ai pas pu, je ne pouvais pas! Pourquoi? J'étais enfermé, ils m'avaient séquestré! Ils voulaient me tuer, ma vie était en danger, ma famille était en danger, je ne pouvais pas vous contacter, et je ne pouvais pas savoir que cette femme était en train de se faire passer pour ma femme! Et toi, tu sais que c'est vrai! Vas-y. Continue dans ce cas. Dis toute la vérité et sois sincère, Rodolfo. Je suis sincère. Je ne pouvais pas sortir. C'est vrai, grand-mère. Je ne pouvais pas m'échapper, ni vous contacter. Et c'est ensuite, lorsqu'ils m'ont laissé sortir, ou quand je me suis échappé, tout ça n'est pas encore très clair dans ma tête, mais tout ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte de la vérité.
J'ai compris que cette femme détenait mon fils et qu'elle était dans cette maison pour se faire passer pour Isabelle. C'est à ce moment que j'ai compris. Et si je n'ai rien dit avant, si je ne l'ai pas dénoncé, c'est que j'avais peur. Parce que telle que tu la vois, grand-mère, telle que vous la voyez, cette femme, j'en suis convaincu, et personne ne me l'enlèvera de la tête, qu'elle est mêlée à l'assassinat d'Isabelle. Elle et ses complices sont responsables de la mort de ma femme. Non! Mon Dieu, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il a, cet enfant. David, qu'est-ce que tu as, hein? Oh, mon Dieu, aidez-moi. Oh. Oh, mais c'est pas vrai, on dirait qu'il a encore de la fièvre. Oh non, David, reste tranquille, d'accord? Oh non, mon Dieu, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Juste au moment où je suis toute seule, hein? Parce que bien sûr, tout le monde est parti à cette fête chez les Méagneaux. Oh, qu'est-ce que je fais, David? Ne tombe pas malade maintenant, d'accord? Allez, hein? Mais comment est-ce que tu as pu, Miguel? Comment est-ce que tu as pu laisser cette femme s'approcher de ma fille? Tu sais, tu es tellement bête que tu n'as même pas vu qu'elle te manipulait. Mais elle a essayé de me le dire. Elle a toujours essayé de me dire qu'elle n'était pas Isabelle Vélez. Mais nous étions tous aveugles. Mais non, elle n'a fait que t'embobiner, Mickey, comme elle l'a fait avec nous tous. Non! Tu es un menteur! Tu es un menteur et tu sais très bien que tu mens. Je n'ai pas tué Isabelle Vélez. Ah, je mens, c'est ça. Tout ce que j'ai fait, c'est sauver David. Ah oui, et qu'est-ce qui me prouve que toi, tu dis la vérité, hein? Qu'est-ce qui me le prouve? Allez, vas-y, donne-moi des preuves. Comment est-ce que tu veux que je fasse pour ne pas croire que c'est toi qui as attiré ma pauvre femme dans un piège pour la tuer, pour qu'ensuite tu puisses prendre sa place? Comment faire pour ne pas croire que c'est toi qui as enlevé mon fils pour venir dans ma maison et me voler mon argent? Vas-y, ose dire que tu n'as pas menti à tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et comment ça s'est passé, alors? C'est pas vrai que t'as menti à ma grand-mère? C'est pas vrai que t'as tout fait pour gagner sa confiance, afin qu'elle mette mon argent au nom de mon fils et qu'elle te désigne comme exécutrice testamentaire? Je mens? Grand-mère, est-ce que je mens? Tu t'es moqué de nous tous. Meurtrière, sale hypocrite! Tu as profité de notre gentillesse pour vivre comme une reine alors que tu as tué Isabelle Vélez. Tu n'as donc aucun scrupule, ni de conscience. Non! Ma fille n'est pas une meurtrière! Non, madame! Ma fille n'est pas une meurtrière. Elle a simplement essayé de se sauver parce qu'elle était injustement accusée d'un meurtre qu'elle n'a jamais commis. Croyez-moi, ma fille n'est pas une meurtrière. Bien sûr que non. Vous ne pouvez pas croire ce mec qui est en train d'inventer tout ça pour se protéger de quelque chose. T'es mal placé pour donner des leçons de morale, alors que je viens de découvrir que tu nous as trompés. Vas-y, dis la vérité. Vas-y, dis que tu travailles pour la concurrence, pour Food Market, dis-le. Mais comment ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Voici la preuve, monsieur Gaëtan. Alors, c'est pour ça qu'il est parti. Ah, c'est génial, j'adore! Maintenant, je vais enfin avoir de la concurrence. Ouais, arrête! Oh, comment ça, petite frimeuse? J'ai rien dit de mal, lâchez-moi un peu de respect! Oh, ça va, les garçons? Allez-y, continuez, je vous écoute. T'en veux? Non, je travaille, moi. T'as l'air mal luné encore. Qu'est-ce qui se passe, Eduardo? Ce qui se passe, c'est que pendant que moi je fais des castings pour la pub de Food Market, toi tu ne penses qu'à t'éclater avec ce groupe. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu sais très bien qu'à moi aussi on m'a donné cette responsabilité. Bon, c'est vrai, pardonne-moi, Jessie, mais tu as foutu en l'air mon casting, là. Et je ne vois pas du tout où est-ce que tu penses que l'on pourra trouver quelqu'un qui, en plus de plaire à nos chefs, devra aussi se plier à toutes tes exigences, ma chérie. Oh, mais sois tranquille. Je t'ai déjà dit que j'avais trouvé la personne idéale. Mais ouais, ce garçon noir, il est si beau, si tendre. C'est lui qu'il nous faut. Tu vois, parce qu'il dégage quelque chose. Et aussi parce que je l'adore et il est exactement ce que recherche la pub, non? On dirait que tu es tombée amoureuse, non? Oh, le pauvre garçon, il ne sait pas encore à qui il a affaire. Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Tu sais bien que je ne tombe pas facilement amoureuse. Et mon histoire avec Climaco, eh bien, elle n'est que purement professionnelle et rien d'autre. C'est toi le menteur, tu nous as trompés avec Isabelle, non? Tu n'as dit à personne que tous les deux vous étiez frères et sœurs. Et l'autre là-bas aussi. Parce que cette grande saucisse a accepté d'être la complice de ces criminels et en plus, elle s'est introduite chez moi! Écoute, mec, tu me traites encore une fois de cette façon et même si je suis chez toi, je te jure que je vais faire passer l'envie de m'insulter, est-ce que c'est clair? Alors pour toi, c'est tout à fait normal de travailler pour la concurrence.
Pourquoi tu avais le badge de Food Market? Tu peux me l'expliquer? À mon avis, tu leur as vendu des informations. Ça suffit, arrête. Allez, arrête, Hannibal. Tu vois, Vivi, c'est un petit voyou. Mais enfin, qu'est-ce que tu peux espérer d'un type pareil? T'as vu sa dégaine? Je t'avais bien dit, je t'avais prévenu. Ça suffit! Quoi? Attention à ce que tu dis! C'est mon fils! Eh bien, ça reste à prouver, car il pourrait très bien être le fils de Gaëtan. Mais Dieu tout-puissant, il n'y a que lui qui peut savoir. Non, madame. Climaco n'est pas le fils de Gaëtan. Oh. Et puisque, comme vous dites, Dieu est tout-puissant, il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il ne vous a pas donné d'enfant avec Gaëtan. Père. Et puis comment est-ce que tu oses me dire ça? Je suis sûre que vous aimeriez avoir un fils comme mon Climaco. Car c'est l'homme le plus honnête et le plus loyal qui soit. Un instant, s'il vous plaît, calmez-vous. Hannibal, ne sois pas injuste. Un simple badge ne prouve pas que ce jeune homme nous ait trahis. Et en plus, tel que je connais cette femme... Mais enfin, Miguel! Ces gens-là nous ont tous trahis et toi, tu continues à les défendre! Tu n'as donc pas entendu Rodolfo? Cette usurpatrice d'Isabelle est une meurtrière! Et elle et sa famille doivent faire partie d'une bande recherchée par la police! Tais-toi! Oui, tais-toi, car je ne te permets pas de mettre en cause ma famille et ne la regarde même pas! La seule coupable dans cette histoire, c'est moi! Alors laisse ma famille tranquille, Isadora! Ah non? Mais alors dis-nous qui c'est qui t'a protégé? C'est ta famille qui t'a protégé? Vous êtes tous des voyous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre! Quant à toi, Barbarita, c'est toi qui as tué mon père et tu vas me le payer, je te jure! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es qu'un menteur! Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, écoutez-moi! Tu sais très bien que Barbarita n'a tué personne! Car celui qui a tué Efraim Melendez, c'est moi! Oh mon Dieu, je sais que quand un bébé est comme ça, c'est parce qu'il a un pressentiment. Mais qu'est-ce que c'est, David? Peut-être qu'il se passe quelque chose de grave à cette fête. Ça va aller, David. Je t'en prie, Sainte Vierge, aide-moi. Ta maman te manque, c'est ça? Oui, ça doit être ça, c'est parce que ta maman te manque. Et si je l'appelais? Oui, je peux l'appeler pour lui dire qu'il a de la fièvre, qu'il est malade. Qu'est-ce que je fais, David? Mais appelez la police. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une famille très unie, hein? Cette famille d'ignobles criminels se partage ses crimes comme si c'était naturel. Mais c'est merveilleux, ça. Eh bien, comme vous venez tous de l'entendre, cet homme vient de nous avouer que c'est un assassin. Et pourtant, c'est moi que l'on accuse, grand-mère. Alors maintenant, dis-moi, qui vas-tu croire? Qui est-ce qui a raison? Je t'en prie, ma chérie. Dis-moi que tout ça, ce sont des mensonges. Dis-moi que c'est encore une invention de mon petit-fils, je t'en prie. Tu vois, c'est toujours la même chose avec ma famille. Tu te rends compte de ce que tu me fais, grand-mère? Tu crois les mensonges d'une étrangère, alors que moi, quand je dis la vérité, tu me prends pour un menteur? Eh bien, vas-y, dis-nous la vérité! Non. Allez, dépêche-toi, dis-nous la vérité! Non, je regrette d'être venue à cette soirée. Non, j'en peux plus, j'en peux plus. Attention, que personne ne sorte d'ici. Climaco, doucement. Oh non, non, non. Pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Miko. Calme-toi, ça va aller. Hein? Je te crois, je te fais confiance, mon amour. Tu me crois? Oui. Oui, oui, oui. Je te crois. Et je t'aime. Miguel, je t'aime aussi, mon amour. Pardonne-moi, pardonne-moi, je... Non, arrête, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, nous en reparlerons plus tard, mais pour l'instant, on doit partir. J'étais tellement désespérée, j'étais coincée. Oui, arrête, ça va aller mieux maintenant. Arrête, ça va aller, c'est promis, mais maintenant on doit partir, on n'a pas le choix, on doit partir d'ici. Toi, tu restes là. Et toi, fais bien attention. Tu as déjà assez de problèmes. J'apprécie votre intervention pacifique, Gaëtan, mais s'il vous plaît, laissez-moi passer. Non, tu restes là parce que tu as encore beaucoup de choses à nous expliquer.
Et surtout, j'aimerais bien comprendre l'étrange histoire de ton enlèvement, parce que ça me semble louche. La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que pense ma famille. Et grâce à Dieu, vous n'en faites pas partie. Alors s'il vous plaît, laissez-moi passer. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu n'as pas dénoncé cette femme dès que tu l'as vue. C'est incroyable, Rodolfo, je ne te comprends pas. Mais j'avais peur, maman, j'avais peur. Tu sais bien qu'elle avait mon enfant. Nous étions tous en danger. Ce sont tous des assassins, enfin. Non, c'est faux. Dis la vérité. Allez, dépêche-toi, dis la mais vérité. Mais je dis la vérité. Et je vous répète que cette famille est une famille d'assassins. Je ne Oui, ce sont pas. Eux qui ont assassiné ma femme. C'est faux, je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis, Rodolfo. Parce que tu vois, je connais très très bien Barbaretta Blanco. Eh bien, vous avez de la chance de la connaître, parce que moi, non. Et maintenant, si vous ne me laissez pas passer, je vous jure que je vous rendrai responsable publiquement de ce qu'a fait cette meurtrière. J'irai vous dénoncer à la police, et vous serez complice de ces meurtriers. Je fais partie de ta vie. Écoute, ma chérie. Tous les deux, on est dans cette histoire. Et tous les deux, on s'en sortira. Je ne te laisserai jamais tomber. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Nous sommes ensemble pour la vie, alors je t'en prie, tu dois croire en moi autant que je crois en toi. Barbaretta ! Barbaretta, ma chérie ! Barbaretta, ma chérie, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? C'est mieux, maman, tout est fini. Cet affreux mensonge est enfin terminé. Celui-ci est terminé, mais un autre commence. Et celui-ci est encore plus grave, car cet homme en veut à ta vie. Et tu vas devoir t'enfuir, il va falloir que tu partes d'ici. Écoutez, jeune homme. Si vous aimez Barbaretta, vous devez l'emmener le plus loin possible. Et pardonnez-nous pour tout ça, mais elle n'a pas fait ce que cet homme a dit. Ne vous en faites pas, j'ai bien compris ce qui s'est passé. J'ai compris ce qui s'est passé, et je n'ai rien à vous pardonner. Bon, maintenant je sais qu'elle ne s'appelle pas Isabelle Vélez. Elle s'appelle Barbaretta Blanco. Et j'en suis très heureux. Miguel, Miguel, mon enfant, prenez soin de ma fille, sauvez-la. Protégez-la, je vous en prie. Je ne veux pas qu'il lui arrive du mal, alors s'il vous plaît, protégez-la bien. Je vous en supplie. Gaëtan, je ne veux pas avoir de problème avec vous, alors laissez-moi passer. De toute façon, vous ne pourrez pas me retenir. Non, tu n'iras nulle part, Rodolfo Aristigueta. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher mon fils. Je ne sais pas de quoi est capable cette femme. Mon fils est en danger. Elle peut lui faire du mal. Mais je te dis qu'elle ne va rien lui faire. Non, non, elle ne va rien lui faire. Parce que ce n'est pas une meurtrière. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis très inquiet. Laissez-moi passer. Non! Tu restes ici, compris? Tu restes ici. Et puis, ma sœur, c'est pas une meurtrière. Et ça, tu sais très bien, ordure. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. C'est une vraie famille criminelle. Ils se protègent tous, mais tu vas devoir me tuer, petit voyou. Tu vas devoir me tuer parce que je vais chercher mon fils. Et je vais aussi chercher cette meurtrière. Rodolfo, attends. Rodolfo. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Grand-mère. Madame. Grand-mère. Madame Bernarda, est-ce que ça va? Grand-mère. Oh, Madame Bernarda. Alors, comment va-t-elle? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Pour l'instant, elle a survécu à son infarctus. Son état est stable. Et... je sais qu'il est encore un peu trop tôt, Rolando. Mais est-ce que tu crois qu'elle peut faire un autre infarctus? Non, maman, ne dis pas ça! Effectivement, il est possible qu'elle fasse un autre infarctus. Mais Madame Bernarda est quelqu'un de très fort. Même si son âge et son cœur fragile pourraient lui jouer un mauvais tour. Oh, maman, ma grand-mère ne peut pas mourir. Non, ma chérie, ne t'en fais pas, ça va aller. Bon, eh bien, raconte, alors vas-y, raconte, bon sang. Eh bien, Florent, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons tout raconté au portugais. Quoi? Trini, alors maintenant, le portugais, c'est que...
Oui, maintenant il sait tout, Tonya. Quelle histoire. Il sait qu'Isabelle Vélez est sa fille Barbarita. Et en plus, Barbarita a dit toute la vérité devant tout le monde. Oui. Et nous avons aussi dénoncé Wilfried. Mais ce Rodolfo Aristigueta est arrivé, il a tout embrouillé. Il a dit que Barbarita est une meurtrière et qu'elle a tué Isabelle Vélez. Une meurtrière? Oui. Et d'où est-ce qu'il sort ça? Mais enfin, et Tabata, qu'est-ce qui se passe avec elle? Ne me dites pas que le Portugais l'a viré de chez lui. Non, non. Mais je n'ai pas très bien compris, parce que maintenant, je ne sais pas si Gaëtan m'a cru quand j'ai dit que Barbarita était sa fille. Et surtout que Barbarita n'a pas pu en parler avec lui. Monsieur Gaëtan? Qu'est-ce que tu fais avec ces valises, Tabata? Je m'en vais, monsieur Gaëtan. Je n'ai plus rien à faire ici. Écoutez, je voulais vous présenter toutes mes excuses et vous dire que je suis navrée pour tout ce qui s'est passé. Et je vous jure que Barbarita n'est pas ce que Rodolfo a dit. Vous n'avez aucun doute sur elle, n'est-ce pas? Tabata, je connais très bien Barbarita. Et tout ce que nous devons faire, c'est la chercher et l'aider, d'accord? Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que cette petite délinquante fait encore chez moi, hein? Tu n'as pas honte? Tu attends peut-être que je te vire à coup de pied? Ça suffit, Nena! Qu'est-ce qui te prend? Personne ne sortira d'ici. Et maintenant, tu te calmes et tu te tais. Tabata, elle va rester ici, dans cette maison, avec moi. Tu es devenu fou! Et pourquoi est-ce que je devrais accepter que cette femme reste chez moi? Ce n'est pas ta maison! C'est la nôtre. Est-ce que c'est clair? Et ce qui s'est passé hier soir n'a absolument rien à voir avec ça. Elle est ce qu'elle est, et c'est tout. Et toi, tu as beaucoup de choses à apprendre d'elle. Moi? Oui, par exemple, oui. Oh. Par exemple, à respecter les gens. Oh. Car elle, elle ne te manque pas de respect. Et toi, tu restes là. Tu remontes tes affaires dans ta chambre et je ne veux plus parler de ça. Voilà. Est-ce que c'est clair? Elle reste ici, ça va? D'accord? Je ne veux plus qu'on en reparle. Elle reste et c'est tout. Allez, je t'ai dit de remonter tes affaires. Tu te débrouilles comme tu veux, mais il faut que tu la retrouves. En plus, c'est ton argent et ton honneur qui sont en jeu, alors tu te débrouilles. Ok, d'accord. Et où est-ce que je la trouve, hein? Où est-ce que je la trouve? Tu sais très bien ce que ça m'a déjà coûté la première fois. Eh bien, ça te coûtera encore une fois, mais tu vas la trouver. Bon, d'accord. Mais réfléchis un peu. Toi, tu connais ton frère mieux que moi, pas vrai? Et ils sont toujours ensemble. Alors réfléchis un peu et essaye de voir où est-ce qu'ils peuvent être. Ouais, je vais réfléchir parce qu'avec toi, on n'ira pas loin. Ils ne sont pas dans son appartement, j'en suis sûr. Ah, et il n'a pas un autre appartement, je sais pas moi, à la mer, à la montagne? Non, il n'en a pas d'autre, mais il a un yacht. Et c'est là qu'on les trouvera. Ouais, très bien. Alors allons-y. Comment tu fais pour me faire perdre tous mes moyens, mon amour? Et peu importe ton nom, ma jolie princesse. Barbarita Blanco Guaramato. Tu es une boîte à surprise? Mmh. Oui. Tout va bien, ma chérie, je suis avec toi. Je suis là avec toi. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Eh bien, on est parti hier soir de chez Gaëtan et... Et ta maman m'a demandé de rester avec toi. Mais ça va aller, on sera très bien ici, ne t'en fais pas. Pour l'instant, on est en sécurité. Non. Non, Miguel. Je ne veux pas te causer encore plus de problèmes. Tes problèmes sont les miens et... Pardon. Barbarita. Quel désastre. Oh, Miguel, je ne veux plus que tu sois mêlé à tout ça. Écoute, je suis sûre qu'en ce moment précis, la police doit être en train de me rechercher. Et je veux surtout pas qu'il t'arrive quelque chose de mal à cause de moi. Écoute, le mieux c'est que tu me laisses partir, d'accord? Non, Barbarita. Que tu le veuilles ou non, tous les deux nous sommes mêlés à cette histoire. Tous les deux. Ça va aller. Et moi, tout ce que je vais faire, c'est te défendre. Envers et contre tout.
Pour ça, je ne te le pardonnerai jamais, Gaëtan. Et je te le ferai payer très cher, très cher. Puisque tu as décidé de me pourrir la vie. Car c'est bien ce que tu veux faire, puisque tu as décidé que cette petite garce devait rester ici, sous mon toit. Et pourquoi tu continues à jouer la comédie, toi, hein? Ça suffit, arrête. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas que tu n'es pas la fille de Gaëtan, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette comédie? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas reconnaître que tout ça, ce n'est qu'une invention de ta petite famille de truands? Parle! Parle! Ça suffit, Nena. Écoutez, monsieur Gaëtan, je crois que cette dame a raison. Il vaut mieux que je parte d'ici tout de suite. Oui. Pas question. Je veux que tu restes ici. Mais je supporte plus cette situation. Ma sœur va se faire tuer par Wilfried. Écoute, fais-moi plaisir. Prends tes valises et monte dans ta chambre. Oh, mon S'il Dieu. Te plaît, monte. Gaëtan. Cette famille va te détruire, mon chéri. Note bien ce que je te dis. Ces gens vont te ruiner. Ils vont te prendre tout ton argent. Tu n'auras plus rien. Nena. Cela fait déjà longtemps que je suis ruiné. Et quand tu agis comme ça, que tu piques des crises d'hystérie, je me dis que je suis au bord de la misère. Mais comment est-ce que je vais faire pour parler à Viviana? Je ne peux pas laisser ma jolie princesse croire que les Blanco Guaramato sont des truands. Et c'est impossible que j'entre dans cette chambre. Tout ce que je ferai, c'est envenimer la situation avec Raimundo et sa famille. Oh, mademoiselle, excusez-moi. Il faut que je parle à mademoiselle Viviana. Avec madame Viviana, de Viviana Aristigueta. Est-ce que vous pourriez l'appeler? Oui, bien sûr. Merci. Attendez. Bien. Oh, Estella. Estella, c'est une chance que tu sois là. Il faut que je te parle. Estella? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds. Il est arrivé quelque chose à ta grand-mère ou à Raimundo? Climaco. Je ne suis pas triste à cause de Raimundo, mais à cause de ma grand-mère. Elle vient de faire un grave infarctus à cause de tous les mensonges de ta sœur. Non, 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 Estella, attends un moment. Ça s'est pas passé comme ça. Et justement, je suis venue ici pour t'expliquer à toi, à Viviana, ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu fais ici, criminel? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu tuer ma belle-mère ou bien mon fils? Est-ce que tu ne m'appelles pas, Climaco? T'as plus de forfait ou quoi? Ok. Arrêtez. Jessica, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas la chanson? Oh, mais bien sûr que si, je l'écoute! Mais vous jouez trop fort, j'arrive pas à me concentrer, et puis vous avez fait plein de changements, je trouve ça nul, et elle me plaît pas du tout! Non, pas de ça avec moi. Allez, venez les mecs, on va aller se manger un morceau. On va attendre qu'elle se calme, d'accord? Oui, allons-y, j'ai la dalle. Et toi, quand tu seras calmé, eh bien, tu m'appelles. Ok, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle? Allez, j'y vais. Salut, ma Jessie. Comment va ma fille préférée? Ça fait longtemps, non? Hannibal, toi? C'est faux ce que vous dites, madame, et vous ne savez même pas de quoi vous parlez, parce que ni ma famille ni moi ne voulons faire de mal à qui que ce soit. Ah bon? Et c'est faux aussi que tu es entré chez Colossal Funchal pour séduire Viviana, la propre femme de mon frère? Ça aussi c'est faux? S'il te plaît, arrête Estella. Laisse Viviana en dehors de cette histoire parce que c'est trop important pour moi, s'il te plaît. Comment s'il te plaît? Tu crois vraiment qu'on va te laisser faire? Évidemment que ça a un rapport avec cette histoire. Bien sûr que si, puisque Barbarita est une meurtrière. Ma sœur n'est pas une meurtrière, madame. Et si vous voulez l'envoyer en prison, il va falloir que vous prouviez tout ce que vous dites. Ah oui? Et le faux et usage de faux? Tu crois que ce n'est pas puni par la loi? Elle ira en prison et tu iras, toi aussi. Ma chérie, j'imagine que tu n'as pas envie de parler avec ce criminel, avec cette espèce de voyou, n'est-ce pas? Emma, laisse-moi faire, tu veux bien? Tu sais, je dis ça pour toi, parce que ces gens sont très dangereux. Écoute, c'est plutôt moi qui ai besoin de lui parler. Fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. En tout cas, moi, je vais protéger ma famille. Estella, viens avec moi. Raimundo ne doit pas rester seul en ce moment. Ma puce, je te remercie de me donner la chance de t'expliquer ce qui s'est passé hier soir. Viviana, il faut que je te dise... Ma sœur n'est pas du tout la personne que vous croyez. Et toi, qui es-tu? Comment ça, qui je suis, Viviana?
Climaco. Ce badge de Food Market est bien à toi. Hmm? C'est notre concurrent. C'est pour ça que tu es parti. Et c'est pour ça que tu as démissionné de Colossal. Qui est Jessica, Climaco? Je ne sais pas du tout ce qu'il y a, mais depuis que tu es ici, je trouve que ça sent mauvais, alors dégage, hey, va-t'en d'ici, Hannibal! Je partirai quand tu m'auras chanté une chanson qui parle d'un de nos amis. Tu vois de qui je parle? Hein? À qui est-ce que tu as donné cette carte? Tu sais à combien de personnes j'ai donné des cartes, hein? Je ne vois pas de qui tu parles. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il s'agit d'un homme noir que nous avons dû virer de notre entreprise car c'est un voleur. Alors dis-moi d'où est-ce que tu le connais. Dis-moi, c'est qui? D'où tu le connais? Allez, n'aie pas peur, mon amour. Nous sommes ensemble et c'est tout ce qui compte en ce moment. Miguel. Miguel, tu ne comprends pas à quel point je suis morte de honte. Je t'ai menti. Je vous ai tous menti. Et je te jure que j'ai essayé de dire la vérité, mais... Mais ensuite, tout s'est embrouillé. Je sais. Et d'une certaine manière, moi aussi, je crois que je suis coupable. Je me souviens parfaitement que dès que nous nous sommes vus, tu as dit plusieurs fois que tu n'étais pas Isabelle Vélez. J'avais tellement peur que tu me rejettes. J'avais peur que tu ne me crois pas. Mais je suis entrée dans ta vie sans rien chercher. Je suis simplement tombée amoureuse et... Pardonne-moi. Pardonne-moi, Miguel. Oui. Je te demande une fois de plus. S'il te plaît, ma chérie, fais-moi confiance. Mais je n'ai jamais cessé d'avoir confiance en toi. Tu es l'homme de ma vie. Et... C'est moi qui maintenant ne peux plus te regarder dans les yeux. Une fois, je t'ai dit que mon amour n'était que pour toi. Eh bien, je crois que le moment est venu de te le prouver. Je veux que tu sois à moi pour toujours. Je te jure, Barbarita Blanco, Guaramato, que tout finira bien. Je te le promets. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella está ya en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. El eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida ser volver. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. La